Allons retrouver Anthony de TVA Sports, parce que vous étiez, Anthony, aussi à ce même point de presse. Il y avait beaucoup de frénésie dans la salle. Le principal intéressé était-il nerveux? Nerveux, non, parce que Patrick Roy a vu neiger au cours de sa carrière. Mais écoutez, c'est un gars de la maison, Patrick Roy. Son chandail est tissé juste ici, derrière moi, dans les hauteurs du Centre Bell. Il a remporté 2 Coupes Stanley avec les Canadiens de Montréal. Et d'ailleurs, j'écoutais Kevin il y a de cela quelques secondes, et il a raison. Il y a une frénésie qui est indéniable. Le nombre de journalistes habituels aujourd'hui a été doublé. Le Canadien de Montréal a été contraint de prêter sa salle de presse aux Islanders de New York. Et on n'aurait jamais vu ça à l'occasion d'un traditionnel match entre les Islanders et le Canadien. Bon, revenons à Patrick Roy. Autant sa carrière de joueur a été impressionnante, il ne faut pas oublier qu'en tant qu'entraîneur, il a également gagné beaucoup de matchs, que ce soit au niveau junior ou encore dans la Ligue nationale avec l'Avalanche du Colorado. Mais quand même, c'est un match spécial pour lui. Il est de retour à Montréal. Et comment a-t-il vécu les dernières heures? Bien, qui de mieux placé que Patrick lui-même pour nous décrire tout ça? Que ce soit à Montréal ou au Colorado, lorsque tu as gagné 2 Coupes Stanley dans chacune de ces deux villes-là, ça a toujours une signification très importante. Puis en plus, je veux dire, j'ai le plaisir d'avoir vu mon chandail retiré à Montréal. Est-ce que tu vas te laisser vivre les émotions quand même si jamais la foule te... J'ai toujours essayé de faire ça, mais ça n'a jamais bien marché. Mes enfants sont extrêmement fiers de leur père. Puis j'ai dit à ma fille, j'ai dit, c'est toi qui vas gérer les billets ce soir. Puis Lou a été extraordinaire à l'idée de trouver là, une loge pour eux. Alors, d'ici quelques minutes, Patrick Roy sera de retour juste ici, derrière moi, sur le banc des Islanders de New York. Qui l'a cru? Patrick Roy, on le sait, c'est un gagnant. Sortira-t-il du Centre Bell avec la victoire ce soir? La suite dans quelques minutes. Anthony, bon match! Merci beaucoup à tout le monde aussi.